Bonjour Jean-Luc. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Je vais très bien. Bon. Alors, un petit vol à destination du secteur Est, dans les environs de Provins. La couche n'est pas très haute. Tiens, tu as vu d'ailleurs, elle est un peu rabaissée là. Oui, elle s'est rabaissée par rapport à tout. Donc on va voir. Donc on verra à mi-distance. Tiens, regarde, tu en as deux qui arrivent là-bas. C'est la première fois que je vois ça. On verra à mi-distance ce qu'on décide de faire. On va faire. Il y a une bonne dérive le deuxième. Donc, que je voulais éviter est arrivé et là il vient de me passer la peau cet animal en plus. Finalement il fait un peu chaud. Ouais, c'est bien, il y a le débattement juste comme il faut. Voilà. Par contre, pour la retirer en urgence, c'est comment? Pour la retirer en urgence, ben en fait, il faut dégager, faut dérouler ce truc-là, ouais. La virer comme ça, déclipser le truc. Ah oui, d'accord, ok. Mais en principe, si on fait un machin et qu'on donne un coup, oui, oui, elle va lâcher. Elle se prend un truc tangentiel et ça ne doit pas y mettre du tout. Ça, j'ai déjà vu au moins une fois, c'est pas dur ça. Bon, alors, ok, la check, elle est là, la caméra 1, 2 et 3 fonctionne. Le ramène, tu vois, il a 4 minutes. Hein. C'est comme d'hab, ça. Allez. On appuie sur les freins. Je vais mettre les binocles. Donc le ramètre machin, on a dit tout à l'heure, 0,4. Voilà. Frein de parc, donc il est serré, les volets sont rentrés, symétriques, sélecteur d'essence, il est toujours sur ouvert, la réchauffe carbu, elle est bonne, mixture, on la met en haut, toute servitude off, contact de batterie. On est bien passé au plein. Autonomie, alarme. Elle fonctionne toujours. Balise de détresse, elle est armée. Anti-col, verrière tirée non verrouillée, ceinture non attachée, coupe électrique. On. Manette des gaz. Tiens, qu'est-ce qu'il va faire là? Et aussi, il innove. Il faudra penser à le vérifier. Hein. 1, 2, 3. 4. Contact magnéto sur boss, donc on est rouge ici, on boss. Ici sur les freins, personne dégage. Répétez au tête probable pour vos intentions de vol, s'il vous plaît, juste les intentions. Allez, juste rouler à la pompe, faut que ça fasse pas. J'avais pas compris, merci. Vous voulez quitter à la pompe, peut-être, papa. On roule et on quitte à la pompe, faut que ça fasse. Allô, allô. Bon, là j'en ai un dissymétrique, ça va pas, ça. Tu m'entends? Ouais, j'entends. Allô, allô. Bon, ça me fait déjà, il part sur le gauche. Bon, tant pis. Il insiste, d'habitude il le fait pas comme ça. On va mettre un poil plus de volume. Allô, 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 allô.
réglé. Voilà, on remet ça là et tout va bien, on s'en occupe plus. Continue. Continue. Cool. 25 litres heure. Flight plan. New catalogue. On était sur le combien, Jean-Luc? Ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Le 8. Preview. Tom, 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 tom. Ok, activate. Et on est sur la première branche, c'est bien. Là, pour voir s'il y a quelqu'un derrière, c'est pas simple. Quelqu'un derrière, ça veut dire? Il y a un avion qui attend. Ah ben là, il y a la place à droite. Ouais. Ah, il y a le gars qui vient d'arriver, mais il n'y avait personne. Donc, hein. Là, ça décolle à la chaîne, là. Ah ben là, tu parles. On est à 340 QNH 19. Alpha Golf au point d'attente 26 et du novembre. Et c'est bien, on a le plan d'activer. Prêt pour départ. De première branche, ça sera du 097, mais en fait, c'est pas ça. Alpha Golf, manifeste en attente, veillez la touche. On maintient le point d'attente 26 dur, on veille le tour 118 décimal 6. Fox Alpha Golf. Ok, les essais moteurs, on va les faire tout à l'heure. Le sol du Fox Novembre Lima, avitaillement pour relâche pour décoller. Bon. On improvise. Novembre Lima, j'écoute. Donc Fox Golf Novembre Lima, à l'avitaillement pour demande de roulage pour un vol destination secteur Est, province. Alors c'est Novembre Alpha plutôt, non? Pardon, oui, Novembre Alpha. Fichier 37-22, Novembre Alpha, et copié pour province, roulé point d'attente 26 dur, rappelé prêt. 37-22 au transpondeur, on roule le point d'attente 26 jours, on rappelle prêt. La le sol du Fox Hotel Papa, la 26 jours est dégagée pour rouler à l'aigle. Fox Hotel Papa, rouler et quitter à l'aigle. Rouler ou quitter à l'aigle, Fox Hotel Papa. Et le seul rebonjour du Fox Charlie. Yankee, pardon. Dernier message répété, s'il vous plaît. Le Fox Yankee. Je vous écoute, Fox Yankee. Piper, 3 personnes à bord, parking Soleil avec Charlie, destination de Fontaine. Fox Fox Yankee, affiché transpondeur 37-23, céder le passage à un Robin sur Novembre et rouler point d'attente, ou dès à présent devant lui, rouler point d'attente 26 dur, rappel prêt. 37-23 et devant, rouler rappel prêt, Fox Yankee. C'est copié, vous m'avez annoncé Fontenay, correct? Correct. Bien reçu, merci. Ouais, ça se dégage un peu là-bas, j'ai l'impression quand même. La Nussel, Fox India Pop, on a dégagé la piste gazonnée. Par la gauche, roulez, rappelez Whisky 2, Fox India Pop. Ouais. Roulons par Whisky 2, Fox India Pop. Il y a du trafic de tous les côtés là. Ah ben là, ouais, tu parles. Tout le monde en profite, hein. Donc lui vient d'arriver sur la, l'extérieur, à droite, là. Oui. La Nussel, Fox India Papa, en 8 cités. Fox India Papa, vous pouvez croiser et quitter Appareil Aéro. En croisant, on quitte Appareil Aéro, Fox India Papa. Là, regardez, il est presque de face là. En fait, il est variable. Face, légèrement de travers. Ouais. Bon, voilà.
rester ici. 1200 tours. Même parc. Alors, roulette donnée dans l'axe, le frein de parc est serré, l'essence elle est toujours sur ouverte. Température, alors la pression, la température, ben voilà, elle arrive dans le vert. La pression d'essence, elle est bonne. Ça fait du courant d'air. Voilà. C'est mieux comme ça, non? C'est mieux. Voilà, les commandes sont tenues, les pieds sont sur les freins, 1800 tours. Regardez, ouais. Sur ce temps qui est en novembre 2 près. Fox, Yankee, maintenez le point d'attente éveillé à la tour 118 sur les 6, ça fait tard. On maintient éveillé à 18 tout à l'heure, Fox Yankee. Ah, attends, y'a un truc là. Voilà. Donc lui, il faut penser à bien le tirer là, pour être sûr qu'il soit sur le bien ralenti. Ah, l'autre, il est parti avant finalement. Oui. Il doit faire un atterrissage herbe là. Ouais, bon. Ok, alors. C'est bon. Un parc, maintenu. Contact magnéto, on est sur Bose. Batterie, elle est sur Ron ainsi que l'alternateur. La charge, elle est bien dans le vert, il n'y a pas de problème. L'axe de Victor Novembre, bonjour. Piste 26 heures dégagée pour rouler à l'aigle. Victor Novembre, roulez, quittez à l'aigle. Bonne journée, à plus tard. Je roule, je quitte à l'aigle, bonne journée. Donc, sélecteur d'essence, il est ouvert, autonomie, donc on est toujours bon. Fox Romeo Uniforme, on est, point au, 9, on est prêt au point d'arrêt 26 dur. 9, ah ben on est prêt. Ok. Heading. Romeo Uniforme, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118-6. Maintenez en point d'attente et on veille 118-6, Fox Romeo Uniforme. Ça sera en théorie du 97, ça c'est quand on récupérera le machin à un moment donné. Alors l'horizon artificiel il est réglé. Les commandes. Alors, bien, le pédalage il est nickel aussi, on les commandes. Compensateur entre 3 et 4. Pompe électrique, on la met sur ON. Pente volée à gauche, vert à droite. C'est bon, verrière, on a tiré les verriers, les électeurs sont en place. Ouais. Pression d'huile dans le vert. Là c'est vert, la pression d'essence est dans le vert. On est 1200 tours, c'est bien. Le briefing décollage. Alors, le briefing décollage, on est en 26. On décolle, on va chercher le damier qui est à droite. On passe. Au moment de décoller, on fera une demande verticale 1400 pieds pour sortie sud-est. Et on cherche donc 1400 pieds. Vitesse de rotation 54. Montée initiale 70. Normal 80. Briefing sécurité, donc en cas de panne de voyant allumé avant décollage, on réduit tout, freinage adapté, on sort en bout de piste, on prévient le contrôle. En cas de panne mineure, après la rotation, on fait un tour de piste, on revient se poser un 26 avec un panne au contrôle. Et en cas de panne majeure, après la rotation, on cherche, on rend la main, on fait un 73 nœuds pour un atterrissage d'urgence. Bonjour, Golf Tango, je vous écoute. On a copié l'information de Charlie, on est au pont pour cette roulage pour un local de sécurité. Aujourd'hui, c'est que la température elle est de 23 degrés, donc c'est bien. Golf Tango, roulez pour l'instant, 26 heures à peu près. C'est le vent qui est assez fort. 37-23, flon près, 26 heures. Par secteur gauche, peut-être quelques rafales. Donc, bonjour. À la réaction. On fera un petit palier, on verra, on se stabilisera. Bonjour, on aura la vitesse. Bonjour, pompe fly. Ok, je suis prêt, la carte elle est ici. Donc on va faire un vol d'abord à destination de l'étang d'Armonvilliers. Si on revient à gauche, je te montrerai 2-3 bricoles. D'accord. Et on interceptera le truc. Alors par contre, ce qu'il me fallait, moi, c'était le vore de Brie. C'est 114. Qu'on active et l'autre c'était fins utiles, mais non, c'est même pas toutes fins utiles. 112 F transfert, voilà.
Et là, sur le, là, je suis sur le VOR. Le VOR. VOR, c'est course. Le premier, c'était 124. Voilà, très bien. Ok. Dernier sol du Fox Novembre Alpha, point d'attente 26 lire, je suis prêt. Novembre Alpha, maintenez le point d'attente, veillez la tour 118. Je maintiens le point d'attente et je veille 118 décimal 6, Fox Novembre Alpha. Veillez en novembre Lima. Kilo Hôtel, autorisé toucher piste 26 dur, vent 230 degrés, 15 à 29. Fox Kilo Hôtel, autorisé toucher piste 26 dur. Fox Fox Yankee, 7000, qui était à tout à l'heure. 7000 tout à l'heure, Fox Yankee. Là, une tour de novembre 172, Fox Delta, rebonjour avec Charlie. Novembre 172, Fox Delta, bonjour. Transpondeur 3730, rappelez Echo. 3730, je rappelle à Echo Novembre, Fox Delta. Québec uniforme, PS28 en mon initial de la dure sur votre avant droit. Et on a le visuel, on regarde le visuel, Fox Québec uniforme. Mine de rien, il fait chaud. Hein. Oui. Roméo uniforme numéro 1, rappelez final piste 26 dur. Numéro 1, rappelez final 26 dur, Fox Roméo uniforme. Ah, il est bon lui. Novembre Alpha la tour, bonjour, niveau piste 26 dur et attendez. Je m'aligne 26 dur, j'attends Fox Roméo Alpha. Novembre Alpha, autorisé décollage piste 26 dur, vent 230 degrés, 15 à 20 nœuds. Autorisé décollage 26 dur, Fox Novembre Alpha. Alors on a la pompe, elle est volée. Autorisé décollage 260. Plein pot, manche en avant, vent de gauche. Là, une tour du Fox Novembre Québec en finale pour la 26 gazonnée. 59. Bourbon Québec, autorisé toucher piste 26 gazonnée, vent 230 42. Degrés, 12 à 20 nœuds. Autorisé à l'atterrissage, piste 26 gazonnée, Fox Romeo Québec. Moi qui ai touché Fox. 54, on approche, 56. On a décollé, on se met dans l'axe. 70 nœuds, montée initiale. Voilà, on prend un peu de vitesse, on maintient le 70. Voilà, c'est bon. T'as même pas eu à faire le palier. Non. Ah non, ça va bien sur celui-là. Donc 70 nœuds. Alpha Golf, on voudrait parler à Colombier. Après, passant le point Echo. Je suis Alpha Golf pour une sortie Coulommier. Rappelez pour quitter. On rappelle pour quitter Fox Alpha Golf. Bien. Novembre 172, Fox Delta, exécuté proche direct 26 dur en numéro 2, derrière un Robin en base, rappelé final. J'exécute la proche direct pour la 26 dur et je rappelle en finale. Non, Fox Delta, j'ai visuel sur le trafic. Et l'un du tour du Fox Mike Québec, rebonjour. Mike Québec, l'un, rebonjour. 37-31, à rappeler Echo. 37-31, je rappelle Echo, Fox Mike Québec. L'un du tour de Novembre Alpha pour une verticale sortie sud-est à 1400 pieds. Novembre Alpha, verticale approuvée, rappelez pour quitter. Verticale approuvée, je rappelle pour quitter Novembre Alpha. Et Québec uniforme en milieu vent arrière pour un complet gazonné. Québec uniforme numéro 1 pour la gazonnée, rappelez final. Numéro 1 pour la gazonnière, on rappellera en finale pour le Québec uniforme. Donc on a du 16 nœuds de travers gauche là. Ouais. Roméo uniforme, autorisé touché. Piste 26 dur, vent 240 degrés, 10 à 20 nœuds. Ah oui, touché, je disais, il y a un truc. On se fait overshooter gentiment. Ouais. On la voit bien la dérive. Ouais. Sauf qu'il hôtel en vente arrière pour un toucher. Kilo hôtel numéro 2 pour la dure, derrière un 172 sur les hautes tensions, rappelé final. Voilà. Sauf qu'il hôtel numéro 2 pour la dure, ok. Alpha Golf, trafic Robin, midi, 3 nautiques 5, sens opposé, 1200 pieds vers écho. Pour la verticale, ça sera 02.
Et sur du 105, donc c'est nominal. Michael Québec, PS28, passe écho sans s'opposer, 1500 pieds vers l'est. C'est Mike Québec, c'est la visette. Et on ouvre l'œil, Fox Alpha Golf. Check. Novembre Fox Delta en finale pour un complet sur la 26 dur. Novembre 172, Fox Delta autorise l'atterrissage piste 26 dur, dans 240 degrés, 10 à 22. Autorise l'atterrissage 26 dur, Novembre Fox Delta. Dernier tour du Fox Romeo Québec en début de vente arrière pour la 26 gazonnée. Romeo Québec numéro 2 pour la gazonnée derrière un Robin, début de finale, rappelé finale 26 gazonnée. Numéro 2 pour la 26 gazonnée, je rappelle en finale, Fox Romeo Québec. Québec uniforme autorisé toucher piste 26 gazonnée, vent 240 degrés, 10 à 22. Ah, on atterrit, ça sera un complet 26 gazonnée. 2R02 pour la verticale. Fox Alpha Golf, on quitte point écho. Alpha Golf, le trafic annoncé dans vos 11h, un nautique sans s'opposer plus bas, quittez à tout à l'heure. En visuel, Fox Alpha Golf et on quitte. Transpondeur 7000. Bon, donc on est à 7500 pieds, on se fait. Novembre Alpha, 7000, quittez à tout à l'heure. Oui. 7000, je quitte à tout à l'heure, Fox Alpha. Donc, on vise le lac, ouais. Et ensuite on prend un 72 à gauche, donc. Par là. Et tu verras. Dernier bonjour de Force Golf Oscar, Victor Golf. Voilà. Kilo Hotel, autorisé toucher piste 26 dur, vent 240 degrés, 10 à 22. Autorisé toucher piste 26 dur, Force Hotel. Victor Golf, bonjour, 3730, rappelez écho. Victor Golf, 3730, rappelez écho. Donc je reste avec eux jusqu'à ce qu'on soit vraiment un peu éloigné pour avoir plus la trafic. Gazonné en numéro 2, rappelé final, le précédent est en début de finale. Alors je regarde un peu comment on se fait dériver là. Mike Québec, exécuteur proche direct 26, gazonné en numéro 2, derrière un Robin, début de finale, rappelé final. C'est Mike Québec numéro 2 pour la 26 gazonnée en fin de course. Donc c'est bien, tu en visant à droite, je vais arriver à gauche. Donc ça va. Donc ça fait 60. Novembre 987, Golf Tango, la tour, bonjour. Ralliez-vous, piste 26 dur, autorisé décollage, vent 240 degrés, 12 à 20 nœuds. Donc on va voir un bonjour, petit on s'aligne 26 dur, on décolle, Golf Tango. Ça s'appelle les agrochins. D'accord. Je trouve assez intéressante à voir en vol. Tu me diras ce que t'en penses, on va sur la voir. Ok. Ok. Bon, alors là, maintenant, le tout, c'est de savoir... Québec, autorisé toucher piste 26 gazonné, vent 240 degrés, 12 nœuds, TB20, ouais, à l'envol de la dure. Autorisé toucher piste 26 gazonné, Fox Romeo Québec, bien pris pour le trafic. Romain Nissan, vous êtes numéro 1 pour la gauche, dure, non. Et vous serez en parallèle avec un autre Robin longue finale gazonné. Alors, reçu, j'ai visé le seul Robin, Fox Romeo, ouais, ce sera pour la dure. Allez, on cherche 70, hein. Vous auriez préféré la gazonnée au Romain Nissan? Ah non, c'est parfait pour la dure. Je pense que je vois où ça se trouve. Voilà. Ok, là c'est bien, sinon on risque d'être trop loin. 72, 75, 73. Tu vois la forêt que ça fait là? Derrière, ouais. t'as un champ. Ouais. À droite, t'as une ville. Ouais. Donc quelque part à gauche, il va y avoir un petit hameau isolé. C'est là les agrefins. Ok. Ok, on est sur la route qui va bien là. À part celui-ci, j'en vois pas d'autres. On est 1400, donc on est au-dessus du retour. Mike Québec, sur votre droite, un Robin, dernier virage pour la dure. Vous êtes autorisé piste 26 gazonnée pour un toucher. Vent 250 degrés, 10 à 29. Et on a visuel sur le final en 26 dur et après pour un complet 26 gazonnée, Mike Québec qui est autorisé. Je pense que c'est les groupements de maisons qui sont là avec le champ qui est juste à droite. Autorisé atterrissage. D'accord. Voilà. Là. Tu vas voir, ouais, c'est ça, c'est son groupement de maisons. Là, t'as un petit bosquet d'arbres avant le champ. La maison, elle est juste derrière dans les bosquets. D'accord. Romeo uniforme autorisé atterrissage piste 26 autorisé pardon touché piste 26 dur. Bah, la Paris derrière les bosquets. 250 degrés 10 à 20 nœuds. Oui, touché 26 dur. Kilo Hotel numéro 2 pour la dure, rappelé final précédent, Robin en finale. Kilo Hotel numéro 2 pour la dure, je rappelle en finale.
Je suis plus tout à fait sur la route là. C'est ça. Tu la vois, c'est celle-là là, qui est juste là, là. Ça fait une espèce de petite tour. Ouais, avec je une vois. Espèce de petit étang là. Voilà, c'est ça les aigres. Une espèce de corde ferme avec un. Ouais, c'est ça. Et juste devant nous là. Ouais. T'as la route, tu vas croiser une autre, et à l'intersection tu regardes, tu dis ce que tu vois. Victor Golf, exécute la projet acte 26, gazonné numéro 1, raté final. Victor Golf numéro 1 pour la 26 gazonné, je rappelle final. Bon par contre je vais m'éloigner un tout petit peu parce que je suis pas sûr de le choper à la caméra là. Justement tu vois ça me permettra aussi de savoir à quelle distance faut que je me mette avec ce type d'incidence. D'accord. C'est aussi ça l'exercice de pilotage de jour. C'est de me positionner de manière telle que... Ligne tour du Fox Romeo au Québec en début de vent arrière. Et voilà. Pour la 26 gazonnée. Bon là je le verrai pas, moi je suis beaucoup trop près. Ah oui c'est vrai qu'en plus je sors de numéro 2 pour la gazonnée derrière un Robin, début de langue finale, rappelé finale. Par contre pour la caméra, numéro 2 pour la caméra c'est bon. Je rappelle en finale. Et pas pensé qu'on se faisait pousser. Donc là c'est mort surf. Là-bas c'est Coulommiers. Qu'on voit derrière là. Donc à partir de maintenant, on va prendre la route initiale qui était le 097. On a dépassé ça et ensuite on le tient tout le temps. D'accord. Et on ira chercher l'intersection avec le VOR qui est là. Voilà. Donc on a dit 097. Donc on passe au-dessus de la ligne de chemin de fer, ouais. 97, c'est un peu plus par là. Alors là on a du vent de droite, 10 nœuds, donc si je veux maintenir un 97, il faut que je prenne 3 degrés, 10 x 0,6, donc 6 degrés, même pas là. Alors, ok. Kilo hôtel autorisé, donc, il est liquide. Touché, 26 dur. TQNH 1019 avec un transpondeur à 7000. Okay, Charlie Alpha, c'est 70 10 70 unité 0. Car Charlie Alpha, 70 10. Donc, 1, ça fait 17, ça fait 19, 17. Ok, donc là on est bien sur le VOR, c'est 100. Ok, on est en croisière, il tape 400 pieds. You can stay with me and 700. Alors on va partir d'ici. On peut grimper, on peut même grimper jusqu'à 3005 là. Enfin, dans pas longtemps. Ok. Tu vois le terrain à gauche là, sous le mien? Oui, d'accord. Bien vu. Paris Information de Fox Novembre Alpha, bonjour. Fox Novembre Alpha, Paris Information, bonjour. Paris Info, le Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, un DR400, deux personnes à bord, au départ de Logne pour un vol local secteur Est, Provins, et ensuite Brie, puis Melun, 1500 pieds pour passer en fréquence avec vous. Novembre Alpha, 70-12-70-2. 70-12 affiché au transpondeur, je ne sais plus si il y en a deux personnes à bord. Fox Hotel Charlie pour essayer de passer avec Paris du Fox Hotel Victor. Donc là, j'ai commencé à dévier Charlie pour essayer de passer avec balle 135-85 et afficher 7. Devant nous là-bas, on verra. 135-85, Hotel Charlie, je passe avec balle, au revoir. Donc on va grimper 2000 pieds. Alors le vent il pousse. Allez-y, madame. Ouais. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une action quelque chose un peu là. Ok, on monte 2000. Alors sur celle-ci c'était 2200. Alors on va grimper 2200 puisqu'on voit que... Ah, quoi que. On va grimper 2000 déjà. Ouais. Mais c'est pas si bas que ça. Non. C'est quand même bien trouvé.
vois personne. Paris, Fox, il serait bien. Il serait bien, allez-y. Il serait bien si vous me recevez, puis passer avec Mortagne et afficher 7000. Bonne journée, au revoir. Voilà, 2000. Il serait bien. Golf Lima, Kilo Zulu, bonjour. Kilo Zulu, je vous rappelle. Sur ce Golf Alpha, il serait bien. Donc là, on est bien sur le Coulommiers, là. Ouais. Donc là, c'est la ville. Il serait bien si vous m'avez reçu. Tu la reçois, tu la vois parce qu'elle est dense. Bon, t'as un espèce de château là qui est à gauche là, à droite pardon. Ouais vu. Qui est en bout d'aile là. Oui, oui. Ça permet de bien savoir que c'est le Coulommiers. Enfin moi j'avais dit repérer ce. Ouais, toi t'es habitué. Okay. Kilo Zulu par information, bonjour, allez-y. Donc Coulommiers. Fox Kilo Zulu, bonjour madame. Vers 730 personnes à bord en provenance de Charleville. À destination de Charleville pour activer le plan de vol 1-0. 2000 c'est bien, à mon avis 2002. Ouais. Ça va, on n'est pas trop près, c'est bon. C'est Fox Golf Lima Kilo Zulu, vous pouvez afficher 70 voilà. 70 unité 6. On est un peu plus stable là, non? 70 unité 6. Ouais, pareil. Ouais, c'est pareil. Paris Info, sur 13 à Fox. Info, sur Fox, allez-y. On devrait pas tarder à tomber dans le... Fox, c'est pour quitter et contacter Summer. Sur Fox, je vais passer avec ce bien équipé. 2107, je vais faire un poil plus, mais c'est pas grave. Au revoir madame, merci, sur 13 à Fox. Devant nous, on devrait voir la Ferté Gaucher à un moment donné. Sachant qu'on n'ira pas dessus. Paris, Fox, Sierra Victor. Sierra Victor, allez-y. Ah, sur notre gauche. Oui, on va la garder sur notre gauche. Je suis monté à 8000. Okay. Bon, on va aller sur la centrale. Je voulais savoir si vous avez la dernière. Ah, ça y est, il arrive là. Pardon, la dernière de Saint-Avore. C'est en le route pour Stockat, Sierra Victor. Alors, vous avez dit la dernière 124. De Avore. Oui, avant vous bouge, puisque ici ça bourgeonne à 8600 pieds, et c'est pour savoir si je peux rester en. S'il y a encore des trous, quoi, si je peux rester encore en VFR ou s'il faut que je passe en dessous de la couche, c'est radical. Bien reçu, je vous rappelle pour la dernière de l'avant. Merci, c'est radical. Vous êtes prêt à copier? Prêt à copier? Prêt à copier, c'est radical. Alors, dernier départ à Lima Fox, Oscar Alpha, valable depuis 10h Zulu, c'est un message automatique. Vent. Ah, ça y est, ok, on y arrive. 150 degrés, 13 okay, degrés, je suis déjà au 124. Fiu, 030, 0, scattered, donc ça pourrait 03, 8, broken, 07, 6, température 22, okay, on rosé, 15, QNH, 1022. Le terrain, ça y est, le terrain, il est à gauche là-bas. Je vois là, t'as une espèce de structure, ça fait comme un circuit de voiture, enfin c'est pas comme c'est un circuit de voiture. Ouais, circuit. À 11h là, à 10h. Bon, mais le terrain il est quelque part à côté. Si je vois la piste là à gauche. Quasiment nord-sud. Je redis tout ça, le FIU, c'était 030. Ok, c'est bon, j'ai passé le patelin. Le Sierra Charlie Tango, c'était 03. Alors, il est 15. Le Broken, c'était 07, 6. Et le QNH, 1. On en a pour peut-être 5 minutes max. Ok, QNH 1022, Broken 076, Scattered 038, alors on est dessus. Serviteur, merci. Et FIU 030. On rappelle numéro. On rappelle numéro 2. Kilo Zulu. On passe avec Bruxelles l'information sur ce Kilo Zulu. Oh, c'est Kilo Zulu, on passe avec Bruxelles 126.9 et quitté. Bonne journée, au revoir. Et on revient tout à l'heure avec vous. Au revoir. Paris Info, Fox, Charlie, Dia, bonjour madame. Ok. Fox, c'est Charlie, Sierra, Paris Information. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé bonjour, le voir tout à l'heure. Hôtel Marriott, de sécurité. Il y a 28, une personne à bord. Décoller des bureaux à. C'est-à-dire, en fait, 08. On va pas aller dessus, on va virer à droite avant. 1500. Quelque part à droite, on va voir qu'on va apparaître, je pense. Foxtrot Charlie Yankee. Charlie, il est affiché 70-13-70, unité 3. Ok, tu vois, je suis sur ma route là, par contre, je suis bien à droite là. Donc, je suis en train de dériver. Ou à droite. Ou à gauche, pardon. Au nouveau Malheur, vous êtes identifié. Reçu novembre Alpha identifié. Donc là je vais rechercher le vent.
On est déjà éloigné, tu vois, j'ai déjà perdu ma route en fait. Et bien sûr. Charlie, il a identifié. En 12, ouais. Merci Charlie. Charlie, vous pourrez me dire ce que possible pour monter dans un premier temps vers 45, 45. Et donc là, j'ai pris l'autre bord. Alors pour l'instant, tu es monté dès maintenant jusqu'à 3500 et je vous rappelle ensuite. Ok, je poursuis 1500 vers 3005, Fox Charlie, il y a bien. Encore on est parti pour avoir un micro. Charlie Alpha reçu. Novembre Alpha. Novembre Alpha, j'écoute. Novembre Alpha, vous pouvez passer avec Xen 134 décimal 3 et afficher 7000. Au revoir. 134 décimal 3 avec Xen, Fox Novembre Alpha. Ok, donc la navigation elle est bien fourrie. Donc perdu. Hein? Donc là perdu. Enfin, perdu, c'est-à-dire que j'ai complètement perdu la radiale. Le QNH à Melun, 1019 UG de Golf en sortie de mes zones, 7000 en profondeur. Donc là il est complètement à droite. 1019, 7000 en kickflop chez Golf. Merci, à bientôt. Je ne trouve pas les. Je trouve pas de report donc. C'est la nécropole, c'est ça? Ouais, la nécropole. Tango, en sortie de mes zones, 7000 au transpondeur et par exemple, elle était censée être à droite. Décimale unité, au revoir. Donc là, je vais essayer de trouver un petit peu. La zone et on passe avec Paris Info, merci. Fox Oscar Mike, des planeurs du côté d'Orléans-Saint-Denis. Pas plutôt le bâtiment qui est là-bas. Bravo Alpha, trafic GFR sans contact radio dans vos 1h30. On va essayer celui-là, c'est un bâtiment important, ouais. Ah aussi, bravo Alpha, on regarde. Là c'est pas un silo, hein, c'est un bâtiment ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on est un petit peu trop au nord en fait. Tiens, par contre là-bas il n'y a pas de doute, on est à Provins. Tu le vois Provins là? Ouais, ouais, je le devine. Donc si on voit Provins ici, c'est que ça peut être ça effectivement. Ouais, vu la tête. Salut du Pilatus, bravo Roméo, rebonjour. Pour du largage au 70-85 et 135 à Saint-Denis. Reçu, bravo Roméo, bonjour, passe la prochaine du 135. Appel rapprochant du 135, bravo Roméo. Ouais, c'est ça, peut-être. T'as repris 200 pieds? Ouais. À la 2200. Ouais, c'est ça, bien vu Jean-Luc. C'est ça? Ouais. On la voit là, regarde, t'as vu, t'as le grand bâtiment avec le hangar, il y avait ça. Ouais. Et juste derrière, t'as un truc qui ressemble à un cimetière. Techniquement, ouais. C'est ça. D'accord. Bon, donc, je vais faire la manœuvre. Et ensuite... Ouais, c'est ça, c'est la nécropole. Ouais, ça ressemble. Un espèce de monument au milieu du cimetière. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait, confirmé. Bien vu Jean-Luc. Donc à un moment donné, j'avais essayé de récupérer le vore qui me disait qu'il était encore à droite. J'avais bien trop serré en fait. Donc là, il n'y a personne. Là, je suis là-bas. C'est bon, 2200 pieds. Après, c'est pas compliqué, on suit la voie ferrée jusqu'à Provins. Ok, à qui? Et il est 21 sur la nécropole. Ok, alors on a une voie ferrée, on la suit jusqu'à Provins qui est là-bas. Elle est où ta voie ferrée? Quelque part à droite en dessous là. Elle fait une grande courbe comme ça en principe. C'est l'information du Fox Novembre Alpha, bonjour. Bonjour Novembre Alpha. C'est info, donc le Golf, Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, DR400, deux personnes à bord. Au départ de Logne, à destination de Logne pour un vol local secteur Est, nous sommes actuellement 2100 pieds.
au nord-nord-est de Provins, donc pour un vol Provins, Brie, Melun. Novembre Alpha identifié, affiché 70-30 au transpondeur. 70-30 au transpondeur, reçoit Novembre Alpha. Voilà. Tiens, tu vois, regarde, hop là, je tombe dans ma sécurité là. Voilà. Ouais. Ok, ah bah tiens, la voie ferrée là en dessous là. Ah y est, j'ai trouvé. Ok, alors le but du jeu maintenant c'est de suivre la voie ferrée en fait. Et on est 2200. Bon là je l'avais prévu 1600 pour qu'on puisse descendre éventuellement à voir Provins. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps 1600 et qu'on est plutôt stable à 2100, 2200 là. On y reste hein. Ouais ouais. Alors on est bien là. Ah là ça va ouais. On a une vache de visibilité, ça s'est complètement dégagé. Voilà, il fallait. Voilà. Il fallait pas partir trop tôt. Par contre. Alors là on est parti par contre dessous, sous la partie inférieure. Voilà. Hop, attends. C'est l'info de Fox Total Alpha, Zulu Alpha, rebonjour. Rebonjour Zulu Alpha, je vous rappelle. Bien vu. La 3 fonctionne. La 2 fonctionne. La 1 fonctionne aussi. Ouais. Dans ma tête là. Ouais. Ah, un peu d'ombre. Non, d'une pipe, ça fait du bien. Donc, c'est Zulu Alpha, rebonjour, je vous écoute. Bon, là je pense qu'on Zulu Alpha, on valide la continuation du vol. Avec deux personnes à bord en provenance de Saint-Denis, Orléans, en direction de Saint-Pierre-l'École pour transiter à 2000 pieds. Fox Zulu Alpha identifié, affiché 70-31 au transpondeur. Donc on a bien la centrale à gauche là, t'as vu ouais. 70-31 au transpondeur Zulu Alpha. Donc là, on a Provins ici, et là il y a un patelin d'importance. Je me disais, merde, c'est Provins ou c'est un patelin? Non, c'est un patelin. Il est marqué ici, là on le voit bien. La voie ferrée, elle doit être dans les arbres là. Ah ben non, elle est là. Elle est là. Ouais, et après je regardais là, ouais. Ouais c'est ça. Donc là en fait elle va virer sur la droite. Hein. Elle passe dans les arbres là. Ouais. Et ensuite elle vire franco à droite. Ah hop là, j'ai tombé là. Descendu de 200 pieds là. Ah oui. Elle est dégueulante ici ou quoi? 2500. Ouais parce que t'étais à 2000, pratiquement 2200. Ouais, mais ça fait 400 pieds de mes zones, 7000 au transpondeur et pareil, info disponible 126 décimales unité, au revoir. Kilopox, on passe avec 126 décimales unité par info, merci, au revoir, bonne journée. Fox Bravo Québec pour info des planeurs à Buneau-Bonnevaux. Pour aussi Fox Bravo Québec, merci. Ça te parle ça, Buneau-Bonnevaux? Ouais, je crois. Fox Zulu Alpha pour info des planeurs à Buneau-Bonnevaux si vous allez en secteur. Merci pour l'info, Fox Novembre X-ray, vous approchez d'Orléans, contactez Orléans en auto-info sur 122 décimal 4, au revoir. Fox Novembre X-ray, je contacte Orléans sur 122 décimal 4, merci beaucoup, au revoir, bonne fin de journée. Également. Bon ben, Provins vidéo. Non mais, j'ai pris 200 tours là, j'ai rien. Il s'est réduit un peu tout à l'heure, il s'est pris 200 là. Il y a des courants d'air dehors, ça doit être, je sais pas, ouais. Un truc de fou ça. Je m'étonne qu'il monte là maintenant. Ok, donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la ligne de chemin de fer et qui va nous amener à Longueville. Alors Provins de haut, ah ben on voit bien là. Méthode 2400. Alors on est en train de se faire pousser là. Ouais. Ok, donc je garde la ligne de chemin de fer sur la droite. Ouais. Et deux minutes, on va avoir quelque chose d'intéressant à droite. Alors, Provins. Ah ben voilà. On voit bien, ils sont où les remparts? Non, ah oui, ils sont là-bas. Ok, ils sont à droite là-bas. Ouais, ouais.
L'espèce de basilique là. Ouais, c'est ça. Et puis on voit l'amphithéâtre en fait. Et puis t'as le cimetière, on croit que c'est un cimetière qui est à gauche là. Oh. Bon, alors, ok, donc là devant nous, on a ce que je veux voir. Regarde, t'as un petit viaduc là. Ouais, j'ai vu de loin. Donc il est joli celui-ci. Droit devant. Alors, si le viaduc est là, et qu'on arrive ici. Salut à vous, Fox Floré, bonjour. Il y a un truc qui m'échappe là. Bonjour. Monsieur Fox, j'ai le déplacé le Mike, un WT9 au départ des Tempes, à destination de Salon via Saint-Denis d'Hôtel. Okay, personne à d'accord, bord je cherche juste devant nous là. Zulu Mike, vous avez la référence de la zone où vous allez en soleil? C'est devant nous. C'est à proximité de vous, donc. Juste en dessous, dans les arbres là. Ouais. Tu vas voir, ça va faire un complexe ferroviaire. 70-33 au transpondeur. Avec un truc qui vire comme ça, et normalement des bâtiments type ferroviaire, c'est où on mettait les locaux. Ouais, je pense que c'est là-bas. C'est juste devant nous, à droite en principe. Ouais. Bon, ben ça c'est le musée du chemin de fer. Ah d'accord. Ça fait sous 2000, hein, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ah, il est là, sur la droite. Bon, alors, je m'éloigne un petit peu à gauche pour être sûr qu'on le tape à la caméra. Tu vois bien, toi, là? Ouais, ouais. Bon, ah, ça y est, ok, je le vois. Nickel. Voilà, ok, bah, ça faisait un moment que je voulais venir le voir celui-ci. Ah d'accord. Ah ouais, ah ben bah, joli quand même. Hein. Là on est 2000 pieds, donc une bonne altitude pour le voir correctement. L'ancien atelier ça. Ouais c'est ça, et donc ils ont bien abusé là-dedans. Ok, joli. Très bien, donc on reste à gauche. Un fer, 2000 pieds, je vire, personne à gauche, devant. Et là on récupère la nave sur le bris. Donc on va chercher en 180. En 66, ok, je récupère un petit peu parce qu'on a débordé en fait. Bon là je le vois mais je le sais en fait. Hein. Ouais. Que l'axe il passe pile sur le programme. Viaduc 3 Romeo, 1 minute 30 du parachute. Donc là je vais mettre les étanches sur notre droite. En contact avec Zulu Mike qui évite la verticale. Et là on arrivera au Romeo, le largage approuvé, rappelé en descente. J'aurais fait 26. Descente Bravo Romeo. 28, tu vois, on a dévié 3 minutes à peu près. C'est pas tant que ça finalement. 24. 2000 pieds, on est bien. Voilà, et donc là maintenant on va regarder tous ces étangs là. Ouais. Ce qui fait que devant nous à droite là, ça doit être Brie. Ça doit être ça, Brie. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Brie. Ouais. Le Vore il est assez éloigné de la ville. Et le Vore il est quelque part en dessous. Bon, là je le vois sur le trait, mais. Alors attends voir. Merde. Bourse. Voilà, tu vois, regarde. Voilà, je récupère le vent. Ok, là on est dessus. Est-ce que dessus là? Voilà, 2200 pieds. En principe on va dessus là. Ah tiens, bah d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre ça. Pour Paris de SN de Bravo Alpha, on n'avait pas contacté Orléans, là, ils sont pas actifs. Bravo Alpha, les zones de Châteaudun gérées par Orléans ne sont pas actives. Si, merci, Bravo Alpha. Data Echo Hotel Whiskey Romeo, bonjour. Delta Echo Hotel Whisky Romeo Seine, bonjour, maintenez le niveau 100 direct Dijon. Niveau 100 direct Dijon, Delta Whisky Romeo. C'est bon là? Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai escompté, enfin j'espérais. Ça soit un peu comme ça, donc on a de la chance, c'est comme ça. Pas que du naturel. Ah, ça y est, visuel, le Vore est en dessous là. Alors, on va y arriver dessus, la route suivante vers PU, ça sera du 250. Salut, Pilatus, Bravo Romeo, on descend à Saint-Denis, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Bravo Romeo. Tu vois, je comprends pas, là, le Vore, il est complètement à droite. Alors, c'est ce que disait... Ouais, c'est ce qu'il disait, il avait un problème de vent. Il le capte mal, en fait. Ouais.
bon là? Ouais. Excellent. T'as du bol. Là c'est bien. C'était pas gagné d'avance ce matin, on n'aurait pas parié. Moi j'aurais pas parié sur ça. C'est ce que j'espérais, mais j'aurais pas parié. Ouais, c'est de couleur un peu là. Ouais. C'est vrai que c'est beau l'eau de vidéo. Ouais, et puis là c'est des étangs qui sont travaillés, donc il y a tous les couleurs là. Ouais. Il est où mon bord là? Il est en dessous. Ok. Ouais, il doit être en dessous quelque part. Donc j'ai dit quoi? 258. Ouais. De toute façon c'est pas compliqué, on va suivre la route en restant à gauche. Ok. Bon. Il dit qu'on n'est pas dessus. Presque. Et il sera 33. Voilà. Maintenant je reprends la nav normale, 33 ça fait 44. Peut-être 45. Ok, allez, hop. Donc là on est bien stable, je dirais. 258. Non. Voilà. 258 tout rond, 260. Pour ça. Être sur 257 qui nous fait dévier un tout petit peu, 256 de degrés. Donc en face de nous là-bas au fond on a Montreau. Ok. Montreau Fourion, un nom bizarre. C'est info, Foxtrot, Golf, Écoutulé, Québec, bonjour. 3, donc on est dans le vert, la température est bonne, la pression. C'est info, on a bougé entre 3 et 4. Hein. Bonjour. Donc on est nickel. Info du Fox Hotel Delta Lima Mike. On est sur Fédéric de Ramel. Deux personnes à bord avons décollé de Montargis pour un vol à destination de Toulouse-Lenoble. On passe 2400 pieds QNH pour voler à 2500. Fox de Lima Mike identifié, 76-40 au transpondeur QNH 1019. Il y en a 20 de trace. Ah oui, donc là c'est pas pareil. On est sur du 80, ça fait du 3 quarts. 3 quarts, ça fait plutôt 15 minutes. Donc 15 minutes réel, 33 ça fait plutôt 48. Donc toi il nous dit 22 voilà. Ouais, donc là on est pile dans l'axe du vent en fait. Ouais. On remonte le vent. Ah ouais, 250 c'est un secteur sud-ouest. Hein. Say again, Fox, Julia, Québec. Donc on voit bien les étangs. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est ici, là on dépasse Brie, donc on va suivre tous les étangs. À mon avis, on va rejoindre l'autoroute. Peut-être dans l'autoroute, j'en sais rien, à 6. C'est pas en fait, non, c'est pas la 6 là. Pas la 6. N'importe quoi, la 5 plutôt. Enfin bref, une autoroute. Donc quand on verra l'autoroute en fait. Non, c'est pas tout à fait l'autoroute. Et quand on sera au sud de Montreau, on voit apparaître là bien. Normalement, ce que j'avais prévu de faire, c'était une activité, enfin, un tour de piste. Golf Écoutulet, Québec, VFR from Lima, Foxtrot, Oscar, Romeo to Lima, Foxtrot, Québec. Departed PA28 at 2000 feet at UNH of 1020, proceeding via Chateau d'Ain. Foxtrot, Juliette, Québec, Foxtrot, 3401, Canadian 1019. 3401 and 1019 to QNH, Fox Julia Québec. Fox Bravo Alpha, la Romeo 574 Alpha est active. Ah oui, on reçu Bravo Alpha, donc il faut prendre un cap à gauche, hein, c'est ça? Alors si vous prenez 10 degrés à gauche ou 10 degrés à droite, vous pouvez l'éviter. Et aussi, c'est ça, oui, 10 degrés à gauche, merci. Ah, on la voit l'autoroute là. Fox alors, Zulu Mike, du largage part de la gauche, j'ai des planeurs, on est en train de mon chariot. La zone.
Je vais éviter par le modèle à gauche là-bas, même légèrement en arrière je pense maintenant. À un moment donné je me suis posé la question si on n'allait pas y diverger. Mais comme c'est bien, c'est beau ici et que c'est joli, on va rester dessus. Bon, ça faisait plus 5 minutes sur la nappe, tu sais. Ouais, mais là c'est sympa. Bah oui. La grande antenne. Elle est censée être où ? À côté de LFGO. Monte assez haut pourtant. C'est bon. Ok, donc on arrive sur l'autoroute là. On voit qu'on la tangente. Oui. Donc là maintenant la trajectoire va consister non plus à la tangenter mais à s'engager comme ça, tu vois. Parce qu'on va tomber dans les zones urbaines, etc. Donc là, navigue à vue, hein. C'est que du navigation à vue. C'est une information de Fox Novembre Alpha. Novembre Alpha, je vous rappelle. Là, le but c'est de coller à droite en fait. Ouais. Pour éviter tous les patelins là. C'est surtout pour pas aller dessus directement. Ouais. Sinon pour être carrément dessus. Là, c'est ce que montre. Pas encore qu'on passe vraiment sur la partie sud. Là. On va juste diverger un tout petit peu en fait. Novembre Alpha, j'écoute. Oui, Novembre Alpha, on est 2200 pieds au sud-sud-est de Montreux-Fourillon. On va passer quasi vertical de Morée, vous n'avez pas connaissance d'une activité planeur. Négatif, j'ai que du planeur à Buno Bano. C'est reçu pour Buno, merci Fox Novembre Alpha. Bravo Québec, vous approchez de la zone de Melun, contactez Melun en auto-info 121 décimales unité pour le transit, bon retour. Ok, c'est là que ça vient. Avec Melun, Fox Bravo Québec, et merci de votre tournée. Avec plaisir, acceptez le transpondeur Bravo Québec. D'accord. C'est reçu, pardon, acceptez le transpondeur Fox Québec. D'accord. Echo Charlie, this is Golf Sierra, Uniform Echo Mike, direct Motel, flight level 110. Golf Sierra, Uniform Echo Mike, bonjour madame, direct Motel, maintain level 110. Motel 110, Golf Echo Mike. Beaucoup de lacs, c'est pas naturel, hein? Non. Ça a été creusé. Il y a beaucoup d'activité en fait là. Ouais. Donc là on vient de passer l'autoroute, on est d'accord? Ben, l'autoroute. On la passe. Ok, donc là il y a une voie de chemin de fer, je la vois. Il y aura une ligne de tension. Ah oui, il y a deux voies de chemin de fer, d'accord, il y en a une à gauche et une à droite. Ouais. Golf Sierra Uniform Echo Mike, direct Mike Tango Lima. Donc on voit là en principe c'est Maurice sur loin la ville là-bas derrière. T'es limite sur le bled là. Ouais.
Fox Zulu Alpha en sortie de mes zones 7000 au transpondeur et vous pouvez contacter Chevreuse pour le transit sur 119.3. Au revoir. 7000 au transpondeur, je contacte Chevreuse, merci beaucoup, à bientôt. Voilà, bon trop. Fox Oscar Mike en sortie de mes zones 7000 au transpondeur et vous pouvez contacter Paris Info 126 unités, au revoir. Passage avec Paris Info 126 unités, au revoir, bonne journée, Fox Oscar Mike. Bravo Alpha en sortie de mes zones 7000 au transpondeur et Nantes Info disponible sur 119.4, au revoir. 7000 et 119.4, bravo Alpha, merci. Ah ouais, tiens. Pour information, cette espèce de carrière là, je me rappelle. On n'est pas loin de tomber ce matin. Ah bah là, vous êtes dessus, effectivement. Quand on passait un vol vers le sud, on avait la carrière à gauche et mourait pas loin à droite. Le radio, mais on n'avait pas de réception, donc on s'inquiétait, on disait tiens, c'est bizarre, personne ne répond. Voilà. Ok, merci, merci de l'info. Alors en fait, bravo Alpha, c'est que la fréquence, on l'a prise seulement à 11h locale. C'est pour ça qu'à l'aller, vous ne nous avez pas reçu. Ah oui, d'accord. Ok, merci, parce que j'ai dit tiens, c'est ma radio qui marche pas. Allez, bonne journée. Et bravo Alpha. Oui, pour moi Alpha. Quand vous contactiez 134-875, vous aviez pas une réponse automatique vous disant de contacter Paris Contrôle ou Paris Info? Ben justement, j'avais pas de... comme si personne m'entendait, quoi. Et bon, a priori, ça marchait après avec les autres fréquences, mais bon, voilà, c'est pour ça que j'étais en doute. Mais vous aviez pas une réponse automatique ou un message en bouche comme un ATIS sur la fréquence 134-875? Non, je vous confirme, on n'avait pas de réponse automatique, donc c'est peut-être nous à la réception sur cette radio. Négatif, bravo Alpha, vous n'êtes pas le premier à nous le dire avec ça, il y a peut-être un problème par rapport à nous, à nos messages. Vous inquiétez pas et bon retour. Bonne journée à vous, merci. Golf Echo Mike, contact me on frequency 118.050. 118.050, Golf Echo Mike. Ok. Ça y est, visuel sur Paris. Oui, Sven, bonjour, hélicoptère Fox, Hôtel Tango Oscar Romeo. Et juste à gauche en bas, hôtel tu vois Tango, la grande Oscar carrière Romeo, là. Bonjour, ouais. Bonjour, 144 avec deux personnes à bord. Derrière, tu vas, t'as des espèces de petits étangs là. Bourges, ouais. Et juste à gauche, des étangs vers l'avant. Ouais. T'as un terrain. Enfin, une zone verte. Ouais, bah c'est ça le terrain. Il y a des bâtiments à gauche, toit rouge et des bâtiments 110, à droite. 40 est identifié, bon, Fox Oscar Romeo, merci. D'accord. Bon, mais bon, la vie, c'est allé là comme ça. Allez. Stan Info, t'as un patelin devant Juliette et t'as un patelin derrière, plus les étangs. Golf Juliette Québec, okay. Kilo, bonjour. Un DR400 provenant de Logne à destination de Troyes. Nous sommes actuellement à 2400 pieds QNH, deux personnes à bord. Fox Québec Kilo 7041 au transport. Donc là c'est un truc qui est assez caractéristique, c'est un bon point de repère. Ouais, ces usines là, enfin c'est pas des usines. C'est du... c'est un complexe électrique, transformation et compagnie. Là les grands moulins, enfin les grands silos, merci. On les retrouve bien, hop là on est en descente, en moins 700, tu l'as senti? Non. Moi si. Ah bon. Donc tu vois ici là, donc là c'est Boré sur loin, t'as vu il y a un joli pont. Effectivement, je me rappelle, on avait fait une rando dans les parages, on est encore à moins 400. Ah oui, d'accord. C'est bien, on va rester 2000 là, on est bien. Fox Zulu Mike, la descente à convention, pas très bien. Et le patelin en lui-même de Moré, il a un centre qui est assez typique. Il n'est pas médiéval, mais un petit côté quand même par certains godets. Bon. Tu peux essayer de me la... Ouais, je m'en occupe. Là, c'est le signe qu'en fait, ça a bien tabassé en fait. Ouais, je confirme, j'ai le visuel sur Moré. Pour deux pistes est à 1000 pieds. On va rester 1800 quand même. On a l'impression qu'on navigue dans des masses d'air là, ouais. qui nous baladent dans 300-400 pieds. Ouais. Donc on le voit bien, bon, y a pas d'activité a priori. Non, là tu vas pas le louper. Par contre, je suis peut-être un peu trop sur le patelin là. Là, t'es même en plein dessus. Ouais.
Ah là. Ah là là, on est en train de le dépasser là. Ok, donc là on a la route qui mène à Fontainebleau qu'on voit là-bas. Ouais. Là on a la Seine, on a Champagne-sur-Seine quelque part à droite. Un peu plus haut je dirais Champagne-sur-Seine. Oh, quoi que. Là-bas, au niveau du deuxième pont là-bas. Ouais. Le patelin qu'à droite c'est Champagne-sur-Seine. D'accord. À gauche là-bas on a Avon. Ok. Je me rappelle plus le nom de tous les patelins. Et à gauche là c'est bien la forêt de Fontainebleau. Donc on va voir si on est 2000 pieds, on se fait un peu souper ou pas. Là devant nous, on devrait avoir le château de Fontainebleau. Ouais, il est juste dans l'axe là, quasiment, là. Légèrement à droite. Ouais, normalement, on devrait être comme ça. Enfin, quand on va passer, on va l'avoir ouais. Sur la gauche. Il était dans l'axe. Ah, on a 23 nœuds de secteur gauche, là. Tu m'étonnes, j'ai l'impression qu'on se fait pousser. Ouais. Bon, alors, Fontainebleau. Hein? Ça serait l'aqueduc de la Vanne que ça m'étonnerait pas. Ouais, là. Ouais. Ah ben, 1000-2000 pieds, hein, 1900. Je crois qu'on a la réponse à la question. Ouais. Passe le coup. Mince, j'ai oublié de regarder, il était 45-46, ouais. On est vert, on a la pression, on a la température, on est au 3 quarts. 48, on était plutôt à 47 à mon avis. 47 prévu, ça fait 52. Okay. Beau visuel sur le château. Ouais, belle vue sur le château. Donc là on fait un truc comme ça, on vole sur la tranche, on fait ça, on passe dessus. Aujourd'hui, voler sur la tranche, je sais pas si c'est une bonne idée. On va se retrouver sur la tronche. Oui, je pense. Ok, donc là, ville jaune à droite, ville jaune à gauche, on a du 22 nœuds. Donc là, je vais prendre une bonne dérive, pour être sûr de ne pas me faire pousser sur les patelins qui sont en dessous. Évidemment, le but, c'est aussi de voir comment on peut passer là. Fox Juliette, Québec, du large. Sur la carte, on voit qu'on a un kilomètre. Effectivement, on a un kilomètre. Ouais, tu fais gentiment pousser dessus. Fox Golf Echo Juliette Québec, Sam. Say again. Sorry, Juliette Québec, you've got drop activities at Blois. Okay, thank you very much for the information. Golf Sierra Uniform Echo Mike, contact Paris Control 125.450, bye. Bon, bon, on a une belle vue, on avait une belle vue sur le château. Pour le transit aux abords de Venin, contactez Menin en auto-info 121 décimal unité avec 7000 au transpondeur. En contre, il faut que je vole comme ça, pour pas faire d'arrivée. Mais même en volant comme ça, tu vois, tu golfes novembre alpha, c'est. Fox novembre alpha, je vous écoute. Novembre alpha pour le transit aux abords de Menin, contactez Menin en auto-information sur 121 décimal unité avec 7000 au transpondeur, au revoir. 7000 au transpondeur, 121 unité, on va prendre contact avec Menin. Merci, au revoir, bonne journée. Fox Juliet Québec for leaving the frequency. Melun du Fox Novembre Alpha, bonjour. Là c'est Samoa sur Seine. Là. Okay. Melun Fox Golf Novembre Novembre Alpha, DR 400 en provenance de Logne après un transit par Bray et actuellement au sud à 2 nautiques de Sierra Mike. 1800 pieds pour entrer dans la CTR d'environ donc 2 minutes. Donc là à gauche tout ça c'est le terrain de jeu, hein, notre terrain de jeu. Ouais. Là on est 1800. Alors ce que j'avais prévu une fois Sierra Mike c'était du 1800. Voilà Sierra Mike il est là. C'est l'espèce de pont qui est là. En dessous on a Blois. Ah, regarde, t'as vu? Tac, tac. Oui. Alors, à nouveau, un point tournant, on est dans le vert ici. La pression, elle est bonne, la température est nickel, on est à 3. Voilà. Et là, je connais quelqu'un qui habite en dessous. Là, c'est Blois.
Melun du Fox Novembre Alpha, nous sommes 30 secondes verticales, Sierra Mike, 1900 pieds. Nous allons prendre une route sur Fontenay-Trésilly de Cap, route 320. Melun de Fox Novembre Alpha, au parking du Capricorne, bon vol à tous. Donc j'ai dit quoi, 320. Ah, je vais prendre pas tout à fait 326, en fait je vais attendre un petit peu pour prendre le 326. Ouais. Parce que derrière, bon, il y a ce patin qu'il faut éviter. Surtout on va se mettre Landy à droite. Comme ça. Ouais. Ton plan de vol bien. Initialement, tu passais là-bas? Non, 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 à droite. Non, ah, non, d'accord. Là on a rejoint le plan de vol correctement. D'accord. Ok, donc on vient de passer Sierra Mike, donc on a Melun bien devant. Ah, ça y est, j'ai un visuel sur Blandy, il est à droite là. Ok. Personne. 800 pieds, c'est ce que je voulais. Et il était 40... pardon, 53. Tu le vois Blandy là? Ouais, ouais. Et vol Vicomte à gauche. Je raconte moi, c'est du 0,30. Donc, Melun, Fox Novembre Alpha, nous sommes dans la CTR en direction de Fontenay-Trésilly, entre vol Vicomte et Blandy. Vertical Blandy dans une minute. Bon, tu sais quoi? On va improviser le vol là, regarde. On va aller voir vol Vicomte. Il n'y a personne qui vole, on en profite. Hein. Ouais, je vois personne. Ah ouais. Et tout à l'heure, je regarde. Donc, et quand on sera à Blandy, il faudra qu'on prenne la 0,30. D'accord. Voilà. En même temps, comme ça, je vais tester un truc pour le virage. Bon, la 3 fonctionne, la 2 fonctionne. Un peu trop violent, ouais, non, ça ouais, va. Ouais, mais à chaque fois qu'on la remet... Non, non, c'est bien. Et la 1, elle fonctionne. Ah, elle est peut-être un peu basse. Hein. Ouais, non, ça, il devrait aller. Non, quoi que, ouais. Et la numéro 1 fonctionne toujours? Oui. Nickel. Alors, il doit y avoir un truc au niveau du serrage là, parce qu'il y a le redescend systématiquement. En fait, c'est que le gooseneck de base là, il doit être trop vers le bas. Probablement. Là, Fox Novembre Lima, nous sommes vertical, vol Vicomte 2000 pieds. Et où vol Vicomte là? Oui, c'est ça, il est à droite. Ouais, c'est à droite. Magnifique. Ok, c'est ça que je veux voir justement moi. Pour me mettre ici, pour voir comment on a le château là. Ah, et puis il est passé à l'ombre, mince. Ah, c'est beau. Voilà, virage à droite. Donc là par contre, tu vois, je suis à 100 nœuds. Je veux pas trop déborder le truc, faut que je prenne un peu de 30 degrés. Allez, 30 degrés. Hop, la caméra derrière s'est fait shooter encore. Ah putain. Non mais elle a un problème là-bas à la base, là, je sais pas. Ouais. Elle tient pas là. Bon, 2000 pieds c'est pas mal en fait pour le voir. Hein. Ouais c'est même parfait. C'est même parfait ouais. Après c'est juste une question de vitesse propre. Bon là normalement quand on faisait la visite, hein, j'étais sur du 82 bien sûr. Donc un virage 15 degrés. Ouais. Plus soft. Alors là c'était nickel. Non mais à chaque fois que je remonte elle baisse. Il y a un truc qui merde quelque part. Mais... Ouais. Alors ça là on est sur l'est. Hein. Dès qu'on a passé Blandy, je vire pour mettre sur le 30. Blandy est là. Ouais, c'est ça. On le voit là? Ouais, ouais. Ouais ça doit être bon. Un espèce de manoir devant aussi là. Attention pour un virage à gauche. 90 degrés sur la tranche.
4, 3, 2, 1, top. Ouais, la caméra ne tient pas. Donc c'est désespéré là. Ouais. Dès que t'as le moindre mouvement, elle chute. C'est clair. Passer plus de temps à la remettre, à regarder. Pardon. Voilà. Alors, on est 1800, 900 même, 2000 pratiquement. On est sur le 30. Donc là, on a deux patelins importants, c'est normal. C'est ceux qui sont sur notre gauche. Et on fonce droit devant sur Fontenay-Trésilly. Ok. On fait descendre 1800. Parce qu'après Fontenay-Trésilly, hop, on vire à gauche et on remonte sur l'Ogne. Oui. J'ai bien le plan en tête. Monitor. Voilà, 1800 c'est bien. On est sur du 0,27, le vent il nous pousse de gauche, et on l'a dans le cul là, tiens. Alors, Fontenay-Trésilly, c'est où Fontenay-Trésilly? Ça doit être derrière là. Ça doit être ça, mais je vois pas le terrain. Je le cherche. J'ai peut-être un visuel, il est juste en face de nous, je crois. Tu as des bâtiments à l'orée d'une forêt. Parce que tu as la ville, tu as un champ qui correspond en fait au terrain, qui est transversal par rapport à nous. Ouais. Et je vois des petits bâtiments juste derrière le champ, devant la forêt. Melun du Fox November Alpha, nous sommes à 1 minute 30 de la verticale Fontenay, nous allons sortir de la CTR. Nous vous quittons, bonne fin de journée, au revoir et bon vol à tous. Fontenay-Trésilly, bonjour. Fontenay-Trésilly, du Fox Golf November, November Alpha 1, DR400, 1800 pieds, nous sommes à 1 minute verticale terrain, a priori je pense que j'ai un visuel. Nous allons donc faire une verticale là, et ensuite à nous diriger vers l'Ogne. Ouais, je vois le seuil de piste là. Tu le vois? Non. Juste devant nous, devant. Alors, techniquement après... 50... merde, réel, j'ai pas noté ça. Je suis foutu dedans tout seul avec ma nav, là, c'est pas bien. Avec mes notations de nav. Ensuite, j'avais marqué... Ah oui, droit devant, ouais, ok. Juste devant nous. Ouais, ouais, je le voyais pas. Donc ah, là, c'est bien bon. La ville de Fontenay. Donc il y a des grands hangars. Là-bas, il y a les grands hangars qui précèdent Fontenay quand on arrive. Donc on est sur du 30 et ensuite on part sur du 300. C'est noté quelque part, mais je me rappelle pas où. Ah, je le vois pas là. 900. Alors c'était sur un autre log. Ah, c'est ça, c'est un autre log. Bon, bon, bon. Et allez, et encore une fois. Ouais, non mais laisse-la. 125, 0. On est à tous ici, même information. Charlie enregistre à 9h48 et cette piste 26 en service. On surveille Gavière, vent 240 degrés. Regarde l'avion là. Variable du 2. Fontenay, Trésilly de Fox, novembre Alpha, 1900 pieds vertical. Nombre hôtel, unité 0, unité 9. Quai du soleil aujourd'hui à 18h49 UTC, au premier contact. Merci David. Reçu l'information. Ok, maintenant on descend. 5.
important de descendre parce qu'à un moment donné on a la classe 1 qui est devant nous à gauche. Ah ouais. Donc là, je réduis, je mets la réchauffe. Je suis à peu près prêt. D'accord, on va rester au-dessus de la forêt. 800 pieds, on continue la descente. On cherche un 300. Non. Alors on va rester au-dessus de la forêt, c'est bien. 580, ok. Hop, on remet. 1500, c'est bien. 330. On est passé, il était 13h02. T'as du 26 de latéral, hein? 26 de latéral? Ah ouais, la vache. Donc là on est sur la zone de retour, donc je cherche 1200, tu regardes, t'as vu, t'as un gros manoir là. Ouais. At 094. Fontenay du Fox novembre Alpha, nous sommes 3 nautiques à votre nord-ouest, nous vous quittons, au revoir, bonne fin de journée. 200 degrees, 260 degrees, visibility 10 meters, temperature 22, QNH 1019. Sunset at 1849 UTC. Please advise Lonnie at first contact. You have received the information. Charlie, thank you. Non, c'est pas sûr. Journée à tous, ici Lonnie, information. Charlie enregistré à 9h48, essai piste 26 en service. Attention, risque arrière, vent 240 degrés, 15 nœuds, maximum 20 nœuds. Variable du 200 au 260, visibilité 10 km, température 2,2. Québec Nord, hôtel, unité 0, unité 9. Que du soleil aujourd'hui à 18h49 UTC, au premier contact. Merci David Zelogne que vous avez reçu l'information, Charlie. Good day, this is the information, Charlie. Oui. Il est attaché au plafond. D'accord, ok, merci. Non, t'embête pas. De toute façon, elle tient pas. Ouais. Même en la forçant. Ah, ben tiens, si voilà, il est là. Ok, donc ce que je voulais voir, c'était à gauche, là-bas. Donc on y est passé tout à l'heure, les aigrefins, ouais. L'obélisque. Donc là, ben, pour le coup, on va mieux le voir. Il n'y a personne, je suis... 360, je suis un peu haut. Et là c'est Villeneuve-le-Comte. Tu le vois là? Tu vois bien là? Ouais. Ok. L'autoroute est là-bas. Logne tour du Fox Novembre Alpha de retour avec l'information, Charlie. Novembre Alpha 3730, rappel écho. 3730, je rappelle écho. Fait gentiment pousser. Ouais. Là, heureusement que j'ai le truc là, parce que sinon, un petit peu débordé là. Là ça doit être 19 Lecomte. Oh dis donc c'est joli en dessous là. Ouais. Ok, on a ça ici.
Il y a un truc qui m'échappe, mais alors complet là. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'autoroute. Ouais, elle est juste après là. Espèce de centre nautique là. Bon, alors je vais rester à gauche du truc là. Ah, ça y est, j'ai un visuel sur l'autoroute. Enfin! Ah bah dis donc. Ah bah non, ça c'est. Ouais. C'est bon, je l'avais. Donc à un moment donné, j'ai confondu, j'ai pensé que c'était celle à l'autoroute, mais je me suis rappelé d'une discussion qu'on avait, enfin, lors d'un vol avec Pierre il y a pas longtemps. On parlait de celle-ci justement qui remontait vers là-bas, mais qui n'était pas l'autoroute, donc je savais qu'il y avait un gros piège en gros. Après, justement, chercher un truc comme ça. Bon, en même temps, elle est indiquée là, donc tu peux pas la. Ah, ouais. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Après, je me disais, bon, alors je suis paumé, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Comment je suis paumé? Romagny Forme La Tour, bonjour, à niveau piste 26 Tour, autorisé décollage, bon, 240 degrés, 12 nœuds. 240 degrés, sur la piste, il annonce pas de rafale. Ok, on est 1200 pieds, c'est bien. Voilà, oh tiens, il y a des espèces de, pas des tipis en dessous là, mais... Des maisons avec des pentes, ouais. Et toi qui descends jusqu'au sol. Pareil à chercher les avions aussi. Tu me diras, je suis en fréquence avec Lloyd, mais quand même. Là, regarde. 13h10. Midi. Donc on est dans, à peu près dans le temps de vol. Hein. À nos pérégrinations près. Ouais. De toute façon, c'est pareil. Il y avait aussi le vent qui nous a poussé. On a perdu du temps, techniquement parlant. L'autre qui prend 100 tours comme ça, sans rien, sans crier gare. Ouais. Waouh. Il y a toujours du Fokker qui prête. Ok. Fox Yankee, niveau piste 26 dur, autorisé décollage, vent 260 degrés, 10 à 22. Autorisé décollage pour Interdit 4 Fox. Salon des Fox. C'est quoi? On va réduire la vitesse à 80 nœuds là. On verra si on se fait moins tabasser. Ça sera bravo. Mike, Oscar, bonjour. C'est un Cessna 182 en provenance de Nuit-Saint-Georges, destination de vos installations. On est estimé pour 10 nautiques à 5 minutes de vos installations et on serait preneur si possible d'une longue vitesse. Alors on est sur du 80 nœuds. Et t'as des sautes de vent qui sont impressionnants. Ouais. Était à 25. Deux, et on vous rappelle cette merci beaucoup pour la confiance. Réco. Pas du tour, Fox Novembre Alpha, 30 secondes d'écho. Novembre Alpha, exécuté approche direct 26 dur, numéro 1, rappelé final. Approche direct 26 dur, numéro 1, rapproche final, Fox Novembre Alpha. Ok. Alors, tu peux prendre ça. Oui. 20-30 volets déjà, la pompe. On s'aligne, on est 1200 pieds, on cherche 82. Il va falloir être dynamique. Ok. Voilà. À l'axe, on a la vitesse. On cherche à descendre un peu quand même. Bon, les lignes de tension, elles sont là. D'accord. Voilà, gentiment. Plus gentiment. Donc la vitesse de finale, compte tenu du vent, et peut-être des rafales, ça sera du 70, hein, pas moins. Et pas plus. 80, on a encore un petit peu. Ah, tiens, on fait un palier. Allez, hop là. Pas tout à fait dans l'axe. Donc là, j'ai du 23 nœuds de face, 5 de travers. Donc là, évidemment, on est rouge, hein, forcément. Bon, on a une composante de face 20 nœuds, donc c'est bien. Mieux que de l'avoir de traviole. Voilà. Ah, si, 10 nœuds de côté quand même là, donc peine un peu de l'angle, 900 pieds, on maintient, on intercepte le plan. Voilà. C'est
Fox Romeo Uniforme en vent arrière pour un toucher. Romeo Uniforme numéro... C'est pour la gazonnée ou la dure, Romeo Uniforme? La dure. Numéro 2 pour la 26 dure, Romeo Uniforme rappelé final derrière un Robin qui approche les lignes haute tension en finale. Numéro 2, je rappelle en finale pour la 26 dure, Fox Romeo Uniforme. Détour Fox Nord Alpha, final, le point complet, maintien dur. Fox Novembre Alpha, piste 26 dur, autorisé atterrissage, vent 230 degrés, 20 nœuds. Autorisé atterrissage, 26 dur, Fox Nord Alpha. 70, on bat déjà la vitesse, on est un peu bas. Là, on intercepte le plan. Fox Romeo Uniforme, donc l'appareil qui vous précède prévoit un complet sur la 26 dure. Vous pouvez continuer approche pour la dure ou vous axez gazonné à votre convenance. On reste sur la dure, Fox Romeo Uniforme. Copier Fox Romeo Uniforme. Fox Fox Yankee, transpondeur 7000, quittez la fréquence à tout à l'heure. 7000 tout à l'heure, Fox Yankee. On est bien sur le plan, légèrement à gauche, c'est bien. Voilà, ça va se stabiliser dans 5 secondes. 70 nœuds, j'ai ce que je voulais. On se prend des coups de pied, c'est normal. Là, je commence à réduire gentiment. Le temps de 65, ça fait un peu bas. Tout réduit, je tire. Ouah, nickel, bravo, franchement bravo. Elle est où la sortie? Et Novembre Alpha si possible, prochaine à droite. Affirme. C'est bon, elle. Remettez les gaz, Romeo Uniforme, remettez les gaz, piste occupée, vent 240 degrés, 15. Libéré, sauf Novembre Alpha. Ah ouais, mince. Oh, rapide. Ah, il est très peu alors. Désolé. Non, non, c'est pas grave, hein, Novembre Alpha. C'est comme ça. Ça fait partie du terrain, ça. Vous pouvez passer avec le sol, là, plus tard. Effectivement, avec le sol. Au revoir, merci. Acha, tout, tout. En uniforme, vous souhaitez un virage à droite pour reprendre. Le sol de Novembre Alpha, piste 26 dure dégagée devant le relâche au parking, ça dit. Oxford Alpha, roulez, quittez Assadi, bonne journée. Je roule, je quitte Assadi, au revoir, bonne journée. Elle était trop rapide. Mais il l'avait prévu parce qu'il lui a demandé s'il voulait pas plus. Ah oui, tu peux remonter pour avoir le final. Bon, eh ben, je vais pas cacher ma joie là, sur cet atterrissage. Il est beau. Franchement, vu les conditions, content. Il est beau. Ouais. En plus, ouais, c'est un peu sportif. Ça doit être un des plus beaux que j'ai fait dans la catégorie. Particulier sans pierre à bord. Bon, il n'était pas totalement parfait, il y a un truc ou deux qui était dans la tenue du plan, etc. Le plan, oui, mais tu t'es aligné bon, à la fin. Je le récupérais à chaque fois, on va dire. Oui, oui. Bon, alors attends, par contre, là, on va se faciliter la vie. En principe, il y a. Bah, tiens, toi, regarde, Romeo Delta, il n'est même pas parti en vol. Alors, regarde, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre. Ouais, comme ça, pour pivoter. Ouais, ça sera plus simple. Alors et ça c'est pareil, c'est de l'inédit. L'explication c'est qu'on n'a pas la perche. Ça a été prise par des avions qui sont partis en voyage RT. Ok, voilà, allez hop. Donc on se met les deux pieds sur les freins, frein de parc serré. On quitte la radio, on quitte tout. Allez, bye bye.
ça, on a coupé ça, on coupe ça, on coupe ça, on enlève la clé. Il est 13h17. Tu vois, il faudrait vraiment être violent. Ouais, il faudrait être violent pour la... Bon, allez. D'ailleurs, je crois que j'avais pas synchronisé tout à l'heure. Ouais, je confirme, j'avais pas synchronisé. Ouais, je t'ai pas vu faire, effectivement. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé à un moment donné, puis après j'ai été faire un autre truc. Bon, voilà, on enlève ça. Donc tu vois, regarde, tu tournes le merdier là. Ouais, ouais, ouais. Puis après tu... Tu décales ça. Tu te... Ouais, ça tient bien quand même. 5 secondes, mais... Pas faut-il... Alors là, il faudra que tu la resserres quelque part, parce que là, elle tenait pas assez. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui est lié à... Un 34 ou un 35 parallaxe? Moi je dirais un 35. Bon, alors un 35. Voilà, ça fait donc 1h35, 1h38 ça. Donc en conclusion de ce vol, moi je dirais, où l'on voit qu'il eût été dommage de ne pas venir et de ne pas partir. C'est sûr. Sacrément dommage. On n'a pas, finalement, on n'a pas été trop secoué quand même. Non, de toute façon, c'est un, moment, peu, c'est un peu pour ça qu'on a fait le vol plutôt. Sauf que tu as ce phénomène dans les masses d'air là, qui fait que par moment tu te prenais 300-400 pieds sans t'en rendre compte. Ouais, une fois ou deux là notamment, je me suis dit, mais c'était surprenant. Ça. Je sentais pas le truc, ouais. C'est surprenant parce que tu étais à 2160, enfin 2180, quelque chose comme ça, et on s'est retrouvé à 1900. Ouais, tout à fait. Et assez rapidement et sans sentir en plus. Non, sans le sentir. Parce que normalement, quand tu descends comme ça assez rapidement, justement, d'ailleurs, des fois, je sentais les moins 600, moins 700. Et là, sur ce coup, là, non, pas du tout. Non, non, très bien. Donc, bon. Et atterrissage, franchement, impeccable. Ouais, comme disais, par moment, tu étais en dessous du plomb. Ouais. Tu avais un peu de mal beaucoup, à le garder. Mais tu le rattrapais systématiquement. Ouais. Donc, Oui, j'avais déjà remarqué que sur celui-ci, c'est une chose qui m'arrivait. Donc, je faisais super gaffe à toujours rester dedans. Et à bien, si je le voyais en dessous, à bien faire le palier pour le récupérer. Ouais, pour donc le récupérer. En fait, j'ai dû faire un truc comme ça. Je descends, je passe en dessous, un palier, je redescends, je repasse en dessous une deuxième fois, moins longtemps. Ensuite, la deuxième, et après, par contre, au final. La deuxième fois, tu l'as récupéré quasiment immédiatement. Tu as rectifié dès que tu l'as vu. Et... Donc voilà. Par contre, effectivement, par rapport à d'autres fois où j'étais un peu plus en dessous, on a quand même été moins secoué, bien qu'il y ait du vent et machin et qu'on soit passé au-dessus. Oui, globalement, moi je m'attendais à ce qu'on soit plus secoué, franchement. Donc ça veut dire aussi que certaines fois, de toute façon, la dernière fois que j'avais fait un atterrissage, je me rends compte que j'étais à peu près 100 pieds en dessous, trop bas. À la louche, après, j'avais estimé en réfléchissant au truc, je devais être 100 pieds trop bas. Ouais. Bon, il y avait moins de vent, donc c'était peut-être un peu fait secouer, mais un peu moins. Mais on était un peu bas quand même. Enfin, donc là, ouais, c'était bien. Très bien. Plus une belle nave, donc ouais, comme escouté. Que ce qu'on aurait voulu, c'était nickel. Finalement, un temps comme ça, c'est bien.